Chupa, chupa. Chupa, mamacita. Chupa, 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 chupa. Des bails de Chicanos. Je t'ai jamais dit que je voulais retirer la clause du débordement. Je t'ai dit que j'en ai rien à foutre de ce qui va se passer là-bas et que c'est pas mon problème. Faudra bien que tu passes par quelque part pour arriver dans la cage. Donc si tu veux, on sera tous en peace and love. Je serai même en moine bouddhiste. Moi, j'ai bien aimé ce que vous avez fait chez Cyril Hanouna, c'était impeccable. Tout le monde brillait, c'était frais. Je pense qu'il faut faire un truc comme ça, tu vois, à la hauteur de l'événement. Il faut organiser une conférence de presse à Paname. Je viens, tu viens, en mode beau gosse. On explique devant les journalistes comment le combat va se passer, comment ça va se dérouler. Tout le monde est en peace. Moi aussi, j'ai envie de prier. Donc, toi et tes potes, sachez, vous allez organiser ça. Vous n'avez pas le choix. J'attends l'heure, le jour et la date. Comme ils font dans les grands combats, tu sais, grand gala, tout ça, tu vois. Conférence de presse. Et tu fais des affiches où tu mets avec des lunettes. Je t'ai même pas au courant. Tchoupa! Maman! Moi, je viens de me réveiller, je viens de voir ta vidéo là où tu parles de conférence de presse, que vous allez venir en paix, etc. Mais franchement, ça a l'air d'être un petit guet-apens. Hein. Moi, j'ai peur. J'ai du sursis, 18 mois de sursis, j'ai des enfants, moi, j'ai peur. Oh, maman, c'est pas clair tout ça. Donc, moi, j'ai peur. Donc, je ferai aucune conférence. Juste la cage, le 30, toi et moi. Bouta! Écoutez-moi bien, Maxime Larf, là, il est en train de péter les plombs. À cause de moi. Et il va pas lâcher Caris. Alors, tu signes! On passe au nouveau buzz. Tu signes! Le mec, à cause de moi, il devient fou. Vous voyez le mec qui disait, soi-disant, que tout le monde fermait sa gueule avec lui? Regardez bien. Qui lui a fait fermer sa gueule définitivement? Patrice Carteron. Qui l'a fait trembler dans sa loge? Patrice Carteron. Regardez dans quel état il est aujourd'hui. Il sait plus ce qu'il fait. Qui a fait fermer une quête depuis 2016? Je vous avais dit que j'allais le niquer. Patrice Carteron. Toi, soi-disant, 400 000 euros? T'as soi-disant des Lamborghini, des trucs, t'as pas pu payer 400 000 euros? C'est même pas le prix d'une Lamborghini, mais faut arrêter! Écoutez-moi bien, je vais me faire emprunter par des potes à moi, ils ont deux ces voitures, je vais faire des vidéos avec un t-shirt super mytho. Entre-temps, je vous dis, il va pas lâcher Caris. Tous les jours, il va l'insulter tous les jours!